Énorme ambiance et énorme enjeu, cette demi-finale de Carabao Cup, c'est la définition du spectacle. On n'attend plus qu'une chose maintenant, le coup d'envoi. Salut à tous, sous nos yeux, on en profite, c'est St James Park, quelle ambiance exceptionnelle. Au micro, le meilleur duo depuis Dimitrios Papadopoulos et Kostas Katsouranis, Benjamin Da Silva et Omar Da Fonseca. Et l'enjeu, bien sûr, maintenant, c'est cette demi-finale avec un billet pour la finale à aller chercher Newcastle face à Everton. Et oui, le soutien du public est énorme ici. Ça donne un vrai avantage à cette équipe. Elle va être portée par l'énergie qui descend des tribunes. Oui, c'est bien fait ça. Touche à suivre. Et ça joue sur Trippier. Le centre ne trouve pas sa cible. Et la bonne lecture pour stopper cette offensive. Un œil sur la compo de cette formation. Et on va découvrir le 11 de départ. Guimarães. Et c'est bien défendu. Le ballon est récupéré. Et oui, la bonne passe en profondeur, c'était prometteur, mais la défense est attentive. Et c'est une remise en jeu à venir. Ganagay à la réception, à nouveau pour Ganagay. Ah, il perd ce ballon. C'est un grand jour pour tout le monde puisqu'une nouvelle aventure démarre officiellement. Bien joué, oui, vous avez vu ça. Un bon arrêt du gardien. Allons vers la surface. Oh, le gardien n'arrive pas à se saisir du ballon. Allez contrer cette frappe. Le ballon pour Sandro Tonali. Bonne intervention sur ce ballon. Et le ballon dévié avant de sortir. C'est donc un corner. Un peu plus et c'est tout le stade qui vient le jouer ce ballon. C'est bien parti pour ce corner. Il y a de la lutte à la tombée de ce corner. Ça passe de peu au-dessus. Bien fait ça, sans faute. Ganagay. La bonne intervention de Ganagay. Ouais, il prend le meilleur là sur l'adversaire. Et le tir, le corps en opposition, c'est pas fini. Ah, il est bien placé pour marquer. Intervention, super. Coup douce. Ballon, Tonali. Eh bien joué, il efface son vis-à-vis. Mais c'est bien donné dans la profondeur. Et ça y est. Le premier but de ce match, c'est un but qui libère cette demi-finale. Le secret de ce bombasso, c'est la maîtrise de l'équilibre. Le pied d'appui est bien enfoncé dans le sol. Et derrière, c'est un coup de feu. Le premier but de ce match, donc 1-0 au tableau d'affichage.
Ah, évidemment, le coup franc est signalé sur ce tacle appuyé. Et pas sûr que l'arbitre d'ailleurs en reste là. Et il y a du monde évidemment dans la surface sur ce coup franc. Attention, voilà un bon geste défensif pour éloigner le danger. Oui, bonne intervention pour couper l'attaque. Ah, il faut tirer là. Ah, c'est pas mal joué cette tête, mais ça fuit le cadre. Ouais, pressé, c'est ce qu'il faut faire et c'est bien joué. Soulé. Oh, bonne frappe. Et le ballon est renvoyé, attention. Ouais, c'est hors jeu ça, le drapeau s'est levé. Super, le ballon donné dans la profondeur. Oh, le tir. Magnifique ce contre. Penalty. La faute est signalée par l'arbitre. Et le penalty est transformé de la course à la frappe. Tout est réussi. Dans ce genre de cas, on ne sait jamais si c'est le joueur qui anticipe le plongeon ou alors s'il y a le coup d'œil et au dernier moment, il frappe au milieu. C'est une récupération du ballon sur cette action. Newcastle qui peut se projeter dans le camp adverse. Centre en retrait dans la surface. Et le gardien intervient comme il se doit. Ballon vers la surface. Ballon arrêté. Mano Tasso. Incroyable sauvetage. Parce que la tête était très bien placée. Mais le gardien est allé la chercher. Oui, le tir. Et le gardien se détend avec ce plongeon. Deuxième chance. Nouveau corner. Vers le point de pénalty. Ah, la tête ici, bonne idée, mais le ballon ne redescend pas assez vite. Ah, ça peut être une situation intéressante là. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Tonali. Ah oui, le ballon toujours en sa possession. Oh, c'est contré. Et pénalty, faute dans la surface de réparation. Et c'est dedans, pénalty réussi. Beaucoup de sérénité, beaucoup de calme. Rester immobile, pourquoi pas, mais pas sûr que le supporter soit très fan de son joueur de tactique. Le jeu reprend après ce but encaissé par les Toffees. Ulysse Agueil. Le ballon pour Mario Hermoso. Yann Agueil. Ouais, c'est intercepté ça, bien joué. Il y a danger, parce que là il y a un centre. La défense s'impose sur ce centre, mais ce n'est pas fini.
Et c'est une frappe. Et le ballon repoussé dans la zone dangereuse. Ah, ça y est, la première période arrive à son terme. Direction les vestiaires. Ça repart dans ce match. Les Toffees ont toujours un but de retard. Oui, c'est bien donné en retrait dans la surface. Allez, la frappe, c'est bien tenté. Et bonne intervention, c'est bien repoussé ça. Et le changement va donc avoir lieu. C'est bien parti pour ce corner. Et voilà la réponse, l'égalisation, quel match fou! Ce ralenti qui nous remontre le corner très bien tiré. Il y a beaucoup de monde à la tombée du ballon. À la conclusion, ça termine sur la tête et ça vient se loger au fond des filets. C'est une bonne intervention pour écarter le danger. Oui, bonne intervention, le ballon sort en touche. Eh, bon ballon là, donné dans l'espace. Et là, c'est un hors-jeu qui est signalé sur cette passe dangereuse. Bon alignement de la défense, a priori. C'est pas passé loin. Une rubrique Mercato, c'est officiel. Diogo Jota a signé à Arsenal. C'est l'occasion d'apporter un peu plus de qualité à cette équipe. C'est un très bon choix de leur part. Idriss Agueil. Gueye reçoit le ballon. Emerson remporte ce duel. Emerson. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Et bien sûr que l'arbitre signale la faute. Le coup franc à suivre. Et ça bouge dans l'équipe avec ce changement réalisé par l'entraîneur. Oh, la bonne parade. Première occasion depuis un moment. Corner. Le public y voit même l'occasion de prendre l'avantage. Super pressing et la récupération très haute. L'arbitre indique donc un coup franc sur cette action. Alors, au programme des rencontres à suivre, nous avons à vous proposer ce match de Première Ligue, Newcastle à Crystal Palace. Quand on annonce ce genre de duel avec ce genre d'équipe, tu n'as qu'une envie, c'est d'y être tout de suite. L'attaque se poursuit, balle au pied. Oui, le tir. Bonne prise de balle sur cette action. Abdoulaye Doucouré. La balle pour Gana Gueye. Oui, ce ballon est intercepté. Et peut-être un bon contre à négocier là. Oui, c'est une bonne défense avec cette interception. Le centre ne donne rien, intercepté sans problème. Et pénalty, péno, parce qu'il y a cette faute dans la surface. Number 37, James Gunn. De l'art, très
bien tiré ce pénalty. Sur ces images, Sopeno qui prend parfaitement à contre-pied et le plongeon qui était partout du mauvais côté. C'est très bien tiré. Travail de pro. Le score est maintenant de 3-2. Le ballon en touche. Bien accueil. Ouais, bien fait, il est passé. Un bon arrêt du gardien. Ouais, nouvelle intervention, le ballon est bien capté. Le dernier quart d'heure maintenant de la rencontre. Et toujours la progression du ballon dans le camp de l'adversaire. Il faut tenter le coup, pourquoi pas. Et c'est le but du break. Les Blackpies s'envolent. On le revoit ici, le 1 contre 1 est parfaitement négocié. Le défenseur est battu au départ. Faire simple, c'est ce qu'il y a de plus difficile. C'est ce qu'il y a de plus beau aussi. 4-2 au tableau d'affichage. Bien accueil. Et la récupération du ballon. Modric. Et l'arbitre lève son drapeau en jeu. Et vous vous en souvenez, il y aura à venir ce match de Première Ligue à suivre ensemble. Everton affrontera... Attention à ce tir! Et quelle intervention! Ça va vers le point de pénalty. Ah, pressing réussi, pressing payant. Et voilà, directement dans les mains du gardien. Il y a un gros pressing. Ah, il perd ce ballon. Il y a du monde en soutien. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du match. Ganagay à la réception. Ben, ce ballon est récupéré. Le ballon pour Sandro Tonali. Ah, il y a la place pour une frappe. Et c'est le but. Encore un. À nouveau, le festival offensif continue et ce match est quasiment plié. Le bon geste, le bon moment, le bon but. C'est simple le football. La simplicité, c'est toujours l'objectif. Et c'est très spectaculaire. 7 buts inscrits au total. Le score 5-2. Mathias Soulé. Le ballon sur Emerson. Encore 4 minutes de temps additionnel à jouer au minimum. Et balle au pied, c'est une bonne progression ça. La pression sur le porteur. Et oui, c'est une récupération. Hermoso. Et l'arbitre à l'instant donc met fin à ce match évidemment. Un tel résultat à domicile, c'est forcément une satisfaction. Ça les met dans les meilleures dispositions avant le match. C'est une victoire qui semble parfaitement méritée au vu du jeu qui a été proposé dans ce match aller. L'écart va leur permettre d'avoir un bon coussin sur lequel se reposer au match retour. Et ces réseaux sociaux vont exploser. Quel match, quelle performance incroyable. Super performance de sa part pendant tout le match. Sa présence a pesé sur la défense. Ce doublé, c'est la récompense de tout son travail devant le but adverse.